de charger ce qu'ils veulent aux étudiants internationaux. La ministre de l'Enseignement supérieur veut donner un grand coup. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec envoie un signal clair. Non seulement on met fin à une politique qui subventionnait à perte des étudiants qui ne restent pas ici, mais on vient freiner le déclin du français à Montréal. À partir de l'automne 2024, les droits de scolarité annuels pour les étudiants canadiens hors Québec passeront d'environ 9 000 à 17 000 $ et un tarif plancher de 20 000 $ sera imposé pour les étudiants internationaux. Je suis convaincu que les gestes posés par ma collègue vont nous aider à terme à rééquilibrer non seulement le réseau universitaire, mais aussi rééquilibrer, je vous dirais, l'équilibre linguistique montréalais qui a été brisé ces dernières années. Je m'excuse, là. Une justification qui passe mal. Les gens disent que c'est nous qui sommes responsables pour le déclin du français à Montréal. Et moi, j'ai beaucoup de misère avec cette argumentation. Bien, c'est clair que l'impact sur l'Université Bishops pourrait être potentiellement catastrophique. Un peu moins de 30 % de nos étudiants sont des étudiants canadiens hors province. Québec récupérera aussi un montant forfaitaire pour chaque étudiant non québécois qui fréquente une université anglophone ou francophone. Des sommes qui seront réinvesties dans le réseau francophone. Il n'y a que des peanuts dans l'avenir, parce que si les étudiants ne viendront pas, il n'y aura pas de monnaie à faire redistribuer dans le réseau. Les hausses ne s'appliqueront pas aux ressortissants belges ou français qui bénéficient déjà d'une exemption, ni aux étudiants qui sont déjà dans les universités du Québec. I'm really considering just staying in Kingston at this point, just because like it would be so much less expensive for me to even just live at home. Mais pour ces Ontariennes qui songent à poursuivre leurs études à l'Université Concordia, une réflexion s'impose maintenant. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.